a bien marché. Hein. C'est vrai, quelle belle journée. Oui. Impeccable. Hé, hey, regarde, c'est là-bas que papa nous a emmené faire le... Ah oui. Le coucher de soleil. C'est vrai. Tu te rappelles? Oui. On était bien. De soleil là. Oui, à l'endroit où papa nous a amené. Oui, c'était vraiment agréable. Ouais. Moi j'aime bien l'automne. Moi aussi. C'est vrai? Mmh. On n'est pas sur le brouillard. C'est ça. Ah mince. Ah, tu peux m'aider? Oui, maman, j'ai la chine. Attends, je regarde. S'il te plaît, Isabelle, aide-moi. Oh, la dernière. Tu tricotes un peu trop lâche. Ah, c'est pour je ça. Te montre. Mmh. Tu fais comme ça. Comme ça. D'accord, voilà. Merci. Merci beaucoup. Parfait, je vais pouvoir continuer. Voilà. C'est bien. Ok. Merci. Paul, aide-moi. Bonjour. Bonjour, Madame Sanson. Agent Martin, police judiciaire. Je suis désolé. Nous venons de retrouver votre sœur morte à son domicile hier soir. Madame Sanson ? Madame Sanson ? Madame ? Nous pensons qu'elle est tombée violemment. Et nous pensons que la cause n'est pas accidentelle. Il s'agirait d'un homicide. Vous étiez proche ? Oui. Quand est-ce que vous êtes vue pour la dernière fois ? Hier après-midi. Et qui soupçonnez-vous ? Son compagnon. Vous le connaissiez ? Peu. Selon vous, était-il de nature violente ? Non. Isabelle vous aurait-elle mentionné une dispute ou quelque chose de ce genre avec son compagnon ? Non. Je vous remercie, Madame Sanson. Je suis sincèrement désolé pour votre sœur. Nous vous tiendrons informés de l'avancement de l'enquête.
Bonjour Madame Sanson. Comment allez-vous? Ça fait un bail. T'es fou, ça fait 2 jours qu'elle a perdu sa sœur assassinée. Désolé Madame Sanson. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Toutes mes condoléances. Eh oui, je tricote trop lâche.